Dans le nom de Jésus, je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je n'entends pas encore. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus de Amen. Nazareth. Amen. Amen. Tu vas élever la voix. Anazek Seigneur, Okruno, ne me laisse pas dans mon état. Ma tel que j'étais avant d'arriver ici. Je veux te rencontrer ce soir. Change quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je suis là ce soir pour te rencontrer. Je sais que tu es vivant en ce lieu. Touche-moi. Change quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Accorde-moi une nouvelle grâce. Une nouvelle lumière. Mon frère, je ne te sens pas prier. Certainement, tu ne veux pas le rencontrer ce soir. Ne me laisse pas. Tel que j'étais avant d'arriver ici ce soir, je veux te rencontrer. Je veux me décharger sur toi. Jésus, touche-moi ce soir. Change quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Accorde-moi une nouvelle grâce ce soir. Une grâce que je n'avais pas. Accorde-moi une nouvelle lumière. Mon frère, prie. Parle à Dieu. Si tu repars comme tu étais arrivé, dans l'état où tu étais, tu n'as pas rencontré Jésus. Tu es venu peut-être à la communion fraternelle, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Dis Seigneur, je veux te rencontrer ce soir. S'il te plaît, je sais que tu es vivant en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Touche-moi. Agis dans ma vie. Ne me laisse pas partir comme je suis avant d'arriver. Dans l'état où je suis avant d'arriver. Dans la condition où je suis avant d'arriver. Mais fais quelque chose dans ma vie ce soir. C'est toi que je suis venu adorer. C'est toi que je suis venu rencontrer. Oh Jésus, touche-moi. Agis dans ma vie. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Frère, assois-toi quelques minutes. Je dis quelques minutes. Nous allons lire une histoire. Et à partir de là, nous allons commencer à prier. Amen. Amen. Esther chapitre 3. La Bible nous dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadeta, l'Agagit. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Alléluia. Amen. Laissez. Doto. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternait devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Madoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi
dire à Mardoché. Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informaient Aman. Pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut plutôt rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple il était. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Reste assis comme ça d'abord, lève ta main. Tu vas dire que n'importe qui est élevé, qui est un détenteur de pouvoir, assis sur un siège dans le spirituel ou parmi les hommes, et qui veut utiliser sa position contre moi, à partir de ce soir, Seigneur, renverse-le de cette position. Renverse-le de ce siège. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. Mon frère, parle avec autorité. Quand est élevé en dignité, spirituellement ou parmi les hommes, assis sur un siège, et qui veut utiliser sa position, le siège où il est assis, son autorité contre moi, contre mes intérêts, mon Dieu, renverse la personne ce soir, renverse-les ce soir, renverse-les à partir de maintenant. Mon frère, parle. N'importe qui est élevé, assis sur un siège, posté quelque part, et qui veut utiliser sa position, son élévation, le siège où il est assis, son pouvoir pour me combattre, pour me déranger, mon Dieu, mon Père, renverse-les, renverse-les, renverse-les. Continue à parler, continue à parler. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. La Bible dit, au premier mois qui était le mois de Nissan, la deuxième année du roi Assyrus, on jeta le sort, c'est-à-dire le pour devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et ne sait point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser au repos si le roi le trouve bon. On écrive l'ordre de les faire périr. Lève la main. Qui va dire à Dieu, en cette fin d'année, tout ce que n'importe qui nourrit de mal contre moi et contre les miens, mon mari, ma femme ou mes enfants, ma carrière, mes activités, quel que soit, dis mon Dieu, mon Père, que cela soit anéanti en eux.
Que cela soit anéanti dans leur main. Élève la voix et parle avec autorité. Mon frère, on n'a pas encore commencé à prier. Parle. Ordonne tout ce que n'importe qui nourrit en lui de mauvais. Sur ma vie, la vie de ma femme, mes enfants, mon ministère. Au nom de Jésus, Père, que cela soit anéanti. Anéanti, anéanti en eux. Mon frère, parle. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Les gens peuvent être en train de rire avec toi, mais ils nourrissent le mal contre toi. C'est Dieu seul qui connaît ce qui est en eux. Que tout ce que quiconque nourrit, tout ce qui se passe dans la vie, dans le cœur, dans les pensées de quelqu'un, de mauvais contre moi, en cette période de fin d'année, que tu sois détruit, réduit à néant, 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 réduit à néant. Réduit à néant. Mon frère, ordonne. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reste toujours assis, mais prie haut. Amen. Après, on va se lever. Lève ta main encore comme ça. Au nom tout puissant de Jésus. Tu vas demander à Dieu, n'importe qui va se lever de sa maison. À cause de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, pour aller voir n'importe qui, quiconque. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui. Mon frère Aman lui-même ne pouvait rien faire. Il allait solliciter le roi pour accomplir ses pensées iniques. Alors, tu vas dire quiconque va sortir de chez lui. Qui va porter son pantalon ou son pagne? À cause de moi. Mon mari. Ma femme. Mes enfants. Et il revoit quiconque. Charlatan sorcier. Ou les hommes puissants, les hommes de pouvoir. Tu vas dire Seigneur. L'inouye. Frappe-les. Seigneur, frappe-les. Tu es un son et ton blé. Seigneur, détruis les hommes. Élève la voix et parle. Parle. N'importe qui. Va se lever. Sortir de sa maison. S'habiller. Et sortir à cause de toi. Ton mari, ta femme, tes enfants. Pour aller soudoyer quiconque. Pour aller parler de toi en mal à quiconque. Tu vas dire Seigneur, tu les vois. En ayant l'intention. Fire prayer. Seigneur, tu les vois. Tu connais leur intention. Ah, Seigneur, anéantis leur intention. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le roi ôta son anneau de la main. Et le remit à Aman, fils d'Amedeta, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné. Et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Pourquoi? Il a soudoyé le roi. Il a baisé de l'argent qu'il a versé au trésor du roi. Donne-moi le pouvoir de détruire mon ennemi. Aman et son peuple.
Le roi dit, je n'ai pas besoin de ton argent, mais je te donne le pouvoir de le détruire. Fais-en ce que tu veux. Alléluia. Amen. Il a quitté devant le roi avec le pouvoir, mais il n'a pas pu utiliser ce pouvoir. Frère, je veux parler sur toi aujourd'hui. Le pouvoir que Dieu tient tes ennemis ne va pas prévaloir contre ta vie. Tu n'as pas compris. Pouvoir politique, pouvoir de l'argent, pouvoir spirituel, pouvoir positionnel, quel que soit le pouvoir dont ils détiennent, et ils sont forts de cela contre toi. Au nom de Jésus, ce pouvoir ne va pas prévaloir contre toi. Dans le nom de Jésus. Jésus a dit à Hérode, à Pilate plutôt, il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné d'en haut. Je prie pour toi aujourd'hui. Au Bossiaché, le pouvoir de la de Kriki, que quiconque va utiliser contre toi, ça sera fait au nom de Jésus. Le pouvoir de la sorcellerie, de que quiconque va utiliser contre toi, c'est envers au nom de Jésus. À partir de ce soir, n'importe quel pouvoir que n'importe qui va exercer contre toi, que Dieu t'élève au-dessus de ce pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Continue, la Bible dit, les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque province selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits et enfants, en un seul jour, le 13e jour du mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Amen. Frère, écoute-moi. Je veux qu'on prie ce soir contre l'agenda du diable en ces fins d'année. Frère, c'est quoi j'appelle agenda du diable en cette fin d'année? Ici, dans le texte que nous avons lu, Aman était fâché contre Madoché. Non seulement qu'il est fâché contre Madoché, à cause de Madoché, il a décidé de détruire Madoché et le peuple juif. Il a rassemblé ces gens. Ils ont tenu une réunion en janvier pour jeter le sort sur le jour de l'année qui est propice pour ce qu'ils veulent faire contre Madoché et le peuple juif. Lève ta main. Azan, Le jour favorable pour l'exécution de l'intention de ton ennemi. Au nom de Jésus, que ce jour soit effacé des jours. Tu n'as pas compris. Ce jour-là ne sera pas dans les jours. Ça veut dire,
Ils vont envoyer. Ils vont tester. Mais jamais, le jour propice ne sera jamais dans les jours. Ici, les Juifs ne savaient pas. Mardochée ne savait pas. Qu'il y a une réunion, une concertation qui est tenue à cause d'eux. Et ils ont jeté le pouls sur chaque jour. Frère, de janvier, vous voyez, l'ennemi est persévérant. Mais c'est les chrétiens. Mais c'est pourquoi souvent nous sommes chrétiens et nous sommes victimes. 365 jours. Ils sont en train de tirer le sort sur chaque jour jusqu'au 13 décembre. Le 13 du 12e mois, qui est le mois Dada. Il est au volant de son janvier, mais son chaque jour. Quand ils prennent là, ils font plat. Ça ne prend pas. Ils font plat. Ça ne prend pas. Un mois fini. La Bible dit là, chaque jour de chaque mois. Au 12e mois, le 13e mois a répondu. Ils ont arrêté. Et il est allé voir maintenant le roi. Donne-moi le pouvoir. J'ai trouvé le bonjour. Alléluia. Amen. Frère, Novi. Mauna ya chesson kento to elese. Dieu va désarmer tes ennemis. Dieu va dépouiller tes ennemis. Amen. De leur pouvoir et de leurs armes contre toi. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, donc je dis l'agenda satanique. C'est le programme secret de l'ennemi contre vous dans le temps. Lève ta main. Tu vas prier d'abord de manière générale. Première requête. Que l'agenda que Satan et ses agents. Les esprits mauvais et les hommes méchants ont élaboré contre moi, contre ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, ma carrière, ma santé, n'importe quel aspect de ma vie. En cette fin d'année, papa, détruis cet agenda. Détruis cet agenda. Détruis le programme. Élève la voix et parle avec agressivité. Mon frère, prie bien. Au nom de Jésus de Nazareth. L'agenda que Satan et ses agents, les esprits mauvais et les hommes mauvais, ont élaboré contre le peuple de Dieu. Contre ma vie. Ma femme, mes enfants, mon ministère, les assemblées de la CIR, en cette fin d'année, que cet agenda soit détruit. By fire, by fire. Dis Seigneur, envoie le feu pour consumer cela. Holy fire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen fort sur ta requête. Amen. C'est très important. Amen. Si tu pries bien, l'année va finir pour toi. Ton Amen n'est pas sorti. Sois vivant. Sois vivant. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Tout ce que Satan et ses agents projettent de faire contre moi ou contre les miens, en cette fin d'année, papa, que cela soit détruit au nom de Jésus. Fouille à l'échec au nom de Jésus. Tout ce que les ennemis projettent de faire, dis Seigneur, anéantis cela dans la main. Et là, la voix est prise au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec moi. Tout ce que Satan et ses agents
Mes ennemis projettent de faire contre moi ou contre les miens. En cette fin d'année, Seigneur, anéantis cela. Prie. Pray. Insiste. Tout ce qu'il projette de faire contre moi. Mon Dieu, mon Père. Anéantis cela dans leurs mains. Anéantis cela. Seigneur, anéantis cela. Mon frère, prie. Insiste. Tous ceux qui sont en train de projeter de faire. Oh, contre moi. Contre les miens en cette fin d'année. Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, anéantis-les. Mon frère, prie. Prie. Insiste. Prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, écoute-moi. Dottomi. Qu'on veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas. Qu'on l'accepte ou pas. Frère, en cette fin d'année là, il y a des vies que l'ennemi a ciblées. Ouais, ce sont les élus du diable. Je prie pour toi que ton nom, le nom de ton mari, ta femme, tes enfants soient retirés de leur liste. In the mighty name of Jesus. Frère, il y a des maisons qui sont en vue, des foyers qui sont en vue. Des carrières qui sont en vue. Et souvent, c'est ce qui fait notre bonheur, notre joie que l'ennemi cible. Frère, écoute-moi. Lève ta main. Que le précieux sang. Le sang de Jésus-Christ couvre chaque aspect de ta vie. Au nom tout-puissant de Nazareth. Frère, c'est le moment d'être agressif. S'il te plaît, sois en feu. Lève la main, tu vas prier avec moi. Que tout esprit ou toute personne chargée d'une mission maléfique contre moi, en cette fin d'année, dans le nom de Jésus, Seigneur, réprime-les, brise-les, frappe-les, réduis-les à néant. Et là, la voix est parle au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit ou toute personne chargée d'une mauvaise mission, d'une mission maléfique contre moi, n'importe quel aspect de ma vie, en cette fin d'année, contre la vie des miens, ma femme, mes enfants, la CIA, les églises de la CIA, dans le nom de Jésus de Nazareth, que ces émissaires satanique soit réprimé. Seigneur, réprime-les. Mon Dieu, réprime-les. Anéantis-les. Brise-les sans délai. Réduis-les à néant. Yes, parle. Mais dès que tu as un Insiste. Oh yes, prie.
Pray. Qui soit anéanti. Les émissaires, les agents du diable, chargés de n'importe quelle mission contre ma vie, n'importe quel aspect de ma vie, la vie des miens, le peuple de Dieu, en cette fin d'année, Seigneur, anéantis-les. Dieu, désormais, réprime-les. Prie, parle au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, lève la main. Tu vas dire tout ce qui est à moi. Que Satan et ses agents ont ciblé en cette fin d'année. Seigneur, protège ça par ta puissance. Dis amis sur ça, doit amis de Dieu. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est à moi, que Satan et ses agents ont ciblé en cette fin d'année, mon Dieu, mon Père, protège cela par ta puissance. Protège-la par ta puissance. Prie. Insiste. Mon frère, prie. Yes, prie. Protège tout ce qui est à moi par ta puissance. En cette fin d'année, oh mon Dieu, protège par ta puissance. Protège par le sang de Jésus-Christ tout ce qui est à moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis amen sur ta requête de prière. Tu vas prier, demander à Dieu que tout arrangement secret. Tout arrangement secret mis en place contre moi dans le spirituel ou parmi les hommes en cette fin d'année, Seigneur, saccage cela, détruis cela, renverse cela. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est arrangé secrètement contre toi, contre les tiens, en cette fin d'année, Seigneur, détruis. Mon frère, prie avec énergie. Tout arrangement secret, tout ce qui est arrangé secrètement dans le spirituel ou parmi les hommes, contre ma vie, contre la vie des miens, contre mes activités, ma carrière, ma santé, mes finances, à cette fin d'année, Seigneur, détruis les saccages là. Prie. Mon frère, continue à prier. Tout ce qui est arrangé secrètement, continue à prier. Mon frère, prie bien, insiste. Tout ce qui est arrangé secrètement en cette fin d'année contre ma vie ou la vie des miens soit détruit, anéanti. Mon frère, prie. Insiste dans la prière. Tout arrangement secret dans le spirituel ou parmi les hommes contre ma vie, la vie de ma femme, la vie de mes enfants, ma carrière, mes activités, au nom tout puissant de Jésus, Seigneur, réduis-les à néant, détruis-les. Mon frère, prie. Les arrangements secrets de l'ennemi dans le spirituel ou parmi les hommes soient détruits, anéantis.
dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Zalodaga. Tu vas dire en cette fin d'année. Adantokwefifonwe. Que mon nom. Non, yikoche. Le nom de chaque membre de ma famille. Niko henmechele ton lokloko. Soit retiré de la liste de décès. Nitosan okuwema main. Yes. Lève la main. Zalodaga. Que mon nom soit retiré. La liste de décès, la liste de l'affliction, la liste d'accidents, la liste de la maladie, la liste des gens qui vont pleurer en cette fin d'année. Seigneur, retire mon nom. Et là, la voix commence à parler au nom de Jésus. Ah, frère, pas. Retire mon nom. Retire mon nom. Retire mon nom. Le nom de ma femme. Le nom de mes enfants. De toute liste satanique. La liste de décès. La liste de maladies. La liste d'accidents. La liste des gens qui vont pleurer. Seigneur, retire mon nom. Retire. Pray. À cause de la rédemption, à cause du sang, du nom qui est invoqué sur moi. Oh mon Dieu, mon Père, retire mon nom. Retire le nom de chaque membre de ma famille. Retire mon nom. 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 Pray. Insiste. Saint retire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Investissement. Investissement. Tu vas dire, Seigneur, les gens pour qui tu veux faire en cette année-là. Ah, je sais que le temps qui reste encore suffisant. Tu peux encore faire pour moi. Avant la fin de cette année. Tu peux régler mon cas. Les gens pour qui tu veux faire. Inscris mon nom sur cette liste. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Les gens qui vont témoigner pour toi cette année. Qui vont chanter des cantiques de louange à cette fin d'année. Papa. Inscris mon nom sur cette liste. Parle. Mon frère, prie. Les gens pour qui tu veux faire. Les gens à qui tu veux répondre, que tu veux exaucer. Délivrer, guérir, élever. Les gens que tu veux satisfaire cette année. Papa, inscris mon nom. Inscris mon nom sur cette liste. Je sais que tu es capable. Le temps qui reste est encore suffisant. Tu peux encore faire pour moi. Oh, papa, inscris mon nom. Inscris mon nom sur la liste des gens pour qui tu veux faire cette année. Yes, mon frère, continue à prier. Il y en a pour qui Dieu veut faire. Mon frère, prie, insiste. Mon frère, prie, insiste. Le temps qui reste, ça suffit. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Prie. Jésus. Et à fond, tu t'en as tiré. Lève-toi pour ma cause. Oh. Jésus. Prie. Ceux qui vont chanter des cantiques de louange. Ceux qui vont
te rendre grâce en cette fin d'année. Et à Jésus, hier midi, amen. Seigneur, compte-moi parmi eux. Hier midi, amen. 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 Compte-moi parmi eux. Mon frère, prie. David, tu connais. Prie, insiste. Prie. Prie. Ah, ta prière manque de feu. Ta prière manque d'ardeur. 50 jours, c'est suffisant pour Dieu. Crie à lui. Crie à lui. Prie. Todeho. Prie. Amen. Tu vas dire que cette année finisse en bien pour moi. Malgré Covid et ses ravages, que cette année soit une bonne année pour moi. Pour nous de Covid, tu vas dire que cette année soit une bonne année pour moi. Qu'elle termine bien pour moi. Les bonnes choses que tu as commencé, que tu n'as pas encore frère, terminé. Est-ce que tu peux prier? À la fin de cette année, Seigneur, élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Pray. Insiste. Je veux terminer cette année avec de grands témoignages. Je veux terminer cette année comblé de tes grâces et de tes bénédictions. Couronne cette année de réussite et de succès pour moi. Bah, 50 jours, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Ce que tu as commencé de bien, que tu n'as pas encore achevé, Papa, achève-le. Amen. Cette année a un bon port pour moi. La Bible dit, malgré la tempête, Dieu a amené le calme. Et il a amené le navire au bon port. Que le navire de ma vie arrive au bon port. Le navire de mon ministère, le navire de mes affaires arrive au bon port. Mon frère, parle, prophétise, parle toi-même. Parle sur la fin de cette année. Nous avons 50 jours encore devant nous. Mon frère, parle. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, 50 jours, c'est le temps de la moisson. Tu vas dire, Seigneur, ce que j'ai semé en cette année, comme bonne chose que je n'ai pas encore moissonné, que je n'ai pas encore récolté, avant la fin de cette année, Seigneur, permets-moi de les récolter. Accorde-moi la grâce de moissonner les bonnes choses que j'ai semées cette année avant la fin de l'année. Frère, avant la fin de l'année, Dieu va te récompenser. Allez à son dagbe, tu es la récompense de tes bonnes choses. De tes efforts. Dieu va te récompenser. Élève la voix, ce que j'ai planté, semé de bien en cette année. Avant la fin de cette année, Seigneur, accorde-moi la moisson. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Voyez, prie. Plaide. Oh Lord.
pray, 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 pray. Mon frère, réclame la moisson. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Cette année, avant sa fin, tes courses, tes efforts, tes allées, tes retours, tes bonnes œuvres. Dieu va te récompenser pour tout ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Frère, l'année va fleurir, va fleurir. Quelle que soit la manière dont ça a commencé, ça va bien terminer au nom de Jésus. Amen.